19h. Et c'est le début de la fin déjà. Oui, vous entendez la musique? On va y aller. Oui, le trône nous attend. Comment ça, je confonds totalement? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on va dans Remnant from Ashes. Une espèce de Dark Soul-like assez étrange, parce qu'il essaye de bouffer à pas mal de râteliers de gameplay différents. Et pour autant, il n'arrive pas vraiment à se démarquer, on va vite le constater. On va se faire un petit run dedans, ben, pour l'explorer tout simplement, et voir de quoi il en retourne. Oui, j'ai dit Dark Souls, déjà ça fait peur à beaucoup de gens, n'ayez pas peur, hein. C'est pas un gros mot. En général, quand on prononce ce genre de nom, c'est pour expliquer clairement que le jeu est relativement punitif et difficile. J'avoue ne pas être très adepte, hein, des jeux à la Dark Souls. Pas pour des raisons de skill, mais parce que pour moi, ces jeux se résument essentiellement à des jeux de mémoire. C'est-à-dire, quand on a une difficulté, on s'en rappelle essentiellement. C'est un petit peu comme quand on a fait une connerie quand on est môme, mais qu'on s'est pris une rouste juste après, c'est le même rapport. Et du coup, je trouve que le skill a pas trop à voir dedans. C'est pour ça que ce type de jeu n'est pas vraiment celui qui me passionne le plus. Ceci dit, Remnant a des choses à apporter, parce qu'il développe déjà son univers dans un monde post-apocalyptique relativement marrant. Et puis en plus, il va développer son sens des quêtes au travers de niveaux qui eux vont se renouveler en permanence. C'est-à-dire que chaque niveau est généré semi-aléatoirement. Et du coup, bah, votre aventure ne sera pas exactement la même que celle du voisin, même si on y retrouvera quand même les éléments de décor principaux, même si on en retrouvera quand même les mêmes bestioles à peu près. Il vous réservera quand même pas mal d'embûches. J'en ai assez parlé. Est-ce qu'on file dedans? C'est une bonne question, ça. Je vous fais voir le flyer quand même, c'est important. Voilà, Remnant from the Ash. Maintenant, ah bah, on va vite filer dedans, puisqu'on est là pour ça. Comme tout jeu, des créations de personnages en veux-tu, en voilà, bah, il y en a une. Donc moi, je me suis fait mon petit bonhomme à Oudiz qui va bien. Et on va lancer le jeu pour voir ce qui nous réserve. Vous démarrez, vous êtes récupéré dans un havre entre guillemets de paix, de survivants, qui lutte vainement contre une entité qui a tendance à être envahissante et plutôt annihilante pour la race humaine. Le démarrage est relativement fastidieux parce qu'on vous laisse pas mal d'éléments de scénario, mais ils sont très épars, je trouve. Pour une fois, je peux me permettre de dire, j'ai l'impression que le joueur est pas assez guidé. Et ce sentiment, vous allez le retrouver pendant le développement de l'aventure, puisque le jeu, dans sa grande pas générosité, est relativement incapable de vous indiquer des objectifs très clairs. Donc ça, c'est quand même un petit défaut qui est assez gênant. On va faire un petit tour du proprio, je vais vous emmener voir mes collègues qui m'ont récupéré. Puis je vais me remettre les commandes dans les pattes parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas touché. Donc vous êtes dans cette base qui sera votre hub central pour éventuellement trouver des missions, discuter avec les Nous gens. serions tous morts sans le service. Cet endroit nous a sauvé la vie. Et puis vous pourrez venir éventuellement échanger différentes choses que vous aurez lootées pour améliorer votre équipement, bien entendu. On va aller voir la pitaine si elle est là. Donc le jeu est pas moche, hein. Petit rappel technique, pour les raisons de stream et d'encodage vidéo, je suis en 720p, hein. J'ai pas pu monter au-dessus. Rebonjour, l'ami. Contente de vous revoir. Ça m'étonnerait que la situation soit très reluisante dehors. Inventaire. Bah, vous avez votre équipement que vous allez récupérer au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir essayer d'augmenter en récupérant différents matériaux pendant vos explorations. Mais vos explorations, elles risquent d'être fatales la plupart du temps. Carte d'accès du service 13. Alors, trouver l'entrée du métro. Eh ben, on va se faire ça. Je trouve la sortie d'ici, ce serait pas mal. Ça devrait être par là, je présume. L'entrée du métro. Oui, il faut que je passe par ça. Alors, c'est quoi ça? Bah, ça va être vos différents checkpoints. Ça veut dire que bah, pour lancer une mission, va falloir utiliser ce gros cristal qui n'est pas d'arc.
et puis passer dans une zone différente. Dans la base, vous avez quand même pas mal de choses à explorer aussi, notamment différents niveaux qui vont vous servir au démarrage de tutoriaux, et il y aura des choses à aller déverrouiller dans les différentes parties en sous-sol. Je vous fais pas voir parce que c'est un peu long et monotone, mais c'est intéressant pour looter. On va se faire un petit coup de cristal pas d'arc. Oui, il faut que je retrouve comment ça fonctionne. Donc là, je vais me retrouver dans une zone où il faut que je trouve une entrée de métro et je vais faire mes premières rencontres avec la réelle faune du coin. Vous allez voir que c'est assez surprenant au démarrage. Comment ça, les chargements sont longs? Bah, si les chargements sont longs, c'est qu'ils sont bons. Enfin, que diable. Trouver l'entrée du métro, ce sera ma seule indication. Trouve l'entrée du métro et démerde-toi. Donc, j'ai mon sabre pour le corps à corps. J'ai une bonne vieille carabine. Mais attention, il va falloir compter les munitions, les amis. Et j'ai également une pétoire de base. On est parti. Alors, je le rappelle, les niveaux sont générés semi-aléatoirement. Du coup, c'est un truc qui est relativement sympa pour les gens qui ont l'intention de jouer plusieurs fois, de parcourir et d'écumer l'intégralité des niveaux. Alors, j'y crois. Pour rien à ce que tu essayes de m'indiquer, mais je vais quand même y aller. On va dire ça. Il y a un téléporteur orange qui a l'air bien sympa. Bon, on verra bien. Trouver the entrée of the métro. Alors pour l'instant on n'a pas vu la moindre bestiole et là vous allez être un petit peu surpris, c'est assez rigolo comme design. Genre, je sais pas si on aura le temps de s'en approcher. C'est parti. Et c'est parti. Vu qu'on est dans un soul-like, ça veut dire que je prends 3 coups, je suis raide, grosso modo on peut le résumer comme ça. L'esquive va être super importante. Voilà, faut que je retrouve l'esquive. Voilà, ce sera votre meilleur moyen de vous en sortir. Il y a un petit souci avec ces bestioles qui ont l'air très très simples, c'est qu'elles ont tendance à se balader et à se téléporter, j'ai l'impression parfois. Donc faut s'en méfier comme de la peste. Alors la distance à laquelle vous tirez a l'air d'avoir du jeu, enfin elle joue dans le... dans la puissance des impacts. Autre petit truc, faut pas hésiter à
taper dans le décor pour essayer de récupérer des pièces que vous pourrez ramener à votre hub central pour demander à ce qu'on vous bricole des améliorations. Parce qu'il va y en avoir rapidement besoin. Alexandrie, Alexandra. Non, fait, je casse un truc là. Ça ne se casse pas. Est-ce que je dégage le terrain encore? Bon, ça va aller. Alors, faut pas que j'oublie mes roulades. Alors, niveau technique, pour les gens qui ont des machines modernes, bien sûr, invitation à pousser les résolutions parce que ça doit être pas mal plus joli. Là, on est dans un jeu avec un rendu à peu près standard. Mais je pense que en 1080, avec les petits effets de particules qui doivent bien aller, ça doit être loin d'être moche. Je crois que j'ai un crouch, non? Où c'est que je me... Voilà. Avec la distance, je lui fais pas trop de dégâts. Très doucement parce que ça serait bien que je vous fasse voir assez loin et ça risque de pas être le cas. Je pense que dès que je vais tomber sur le premier demi-boss, je vais déjà commencer à queener. Voilà, je t'ai vu. Oh, t'es gros toi. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais me débarrasser des petits cons d'abord. Ça, je pourrais focus sur le gros parce qu'il m'a pas l'air très commode. Hop, 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 hop. Il va pas l'air content. Wouh! Wouh! Ouf! Vas-y, cours mon petit, cours, 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 cours. Oui, je joue au clavier aujourd'hui et j'ai pas encore les commandes bien en main, donc... Même pas mal. On va aller se planquer derrière un véhicule. Le temps de... Putain, mais je lui fais que dalle. Oh, il y a encore du monde qui réplique. Ah oh, putain, je l'ai senti celui-là. Avance, avance Cornio. Oh, ça va mal se passer pour moi, je suis pas bon. Hein.
Ah bah fallait bien que je le tente. Fallait bien que je le tente. En plus je voyais pas sa barre de vie, donc du coup aucune idée dans l'état où il était le pauvre. Et le pauvre pour l'instant c'était moi et le. Le cristal Padark m'a recraché. Comme un vieux machin dégueulasse. Je suis où? Je suis toujours au bon endroit. Eh ben on va retenter hein. Alors, est-ce que je m'y prends mal? J'en doute pas. Ceci dit, il doit bien y avoir un moyen d'éradiquer de manière efficace cette bande d'énervés. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des monstres qui respawnent au fur et à mesure. Je sais pas si c'est vraiment une impression, mais... Et c'est parti. C'est vrai que j'aurais dû prendre mon fusil, ça cartonnait peut-être mieux. J'ai complètement zappé. On va se refaire la même technique. Éradication à distance. Petit contournement. Et tout va super bien se passer. Toi, t'es trop loin, mon pote. Toi, t'es bien. T'es un bon candidat. Ouais, là, je lui fais rien, les gars. C'est ça, va tout cacher. Là. Alors, la bonne idée, ça serait que je m'équipe de mon fusil quand j'aurai le gros et que je me fasse le petit pont là. Ça y est, t'es calmé. Alors il y a un petit côté RPG aussi puisqu'on peut améliorer les compétences du perso. J'ai même pas la touche pour recharger, dame. Et donc je disais, oui, il y a moyen d'améliorer les compétences du perso. D'ailleurs, on va regarder une fois que j'aurai fini mon petit ménage. Ça devrait être bon. Donc vous pouvez améliorer la vitalité, l'endurance, la marche de l'ombre à votre discrétion, sûrement. Et ça, je sais pas, me peut. On va améliorer ça. Plouf. Donc mine de rien, avant d'entamer un nettoyage d'un niveau, je pense que le jeu va vous demander de cogiter un petit peu votre façon de vous y prendre. Parce qu'il ne doit pas y avoir 36 000 façons d'aborder le petit problème qu'on vous soumet. Ouais, je trouve ma touche de rechargement, ça serait une super bonne nouvelle. Bon, peu importe. Ah bah c'est fermé. Faut que j'aille désinfecter là. Faudrait que je me débarrasse des petits d'abord. Et que le gros, je le fasse tourner en bourrique. Et je lui mette des grands coups de fusil dedans. Ça, c'est la partie théorique. Alors à distance, je fais pas des masses de dégâts, faut que je m'en rappelle, mais faut pas que j'alerte le gros là-bas, parce que sinon tout le monde va venir en même temps. Sagesse. J'en ai pas. Très bien. Bon, le gros a rien calculé, c'est la bonne nouvelle du jour. Hop, putain. Pour l'instant je cartonne, le gros a toujours rien capté, les petits cons sont bien énervés. Ça se passe relativement pas mal. Je pense que je vais m'équiper avec ce qu'il faut. Allez. Ah, il en reste encore un là-bas. Mais quand je vais tirer dessus, ça va alerter le gros. Bon bah je vais cartonner le gros en premier. Bien Mackay. Je vais faire un tour là-bas, ça a l'air sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y a quelqu'un qui me court après.
Ouh là là, ça tire plein là-bas. Mais recharge. Cours, Forest. Cours. Là, là. Je crois que j'ai quelqu'un derrière moi, mais je veux pas voir. Je vais l'esquiver. On va revenir par là, on va se calmer un peu. Oh, la meilleure nouvelle de la journée. Ah, non. Non. Tournicotis, tournicota. Bienvenue dans le manège pas très enchanté. Des bonus. Jamex, il est où le gros? Le gros, je sais qu'il y a le gros dans le coin. Ne me la fais pas. Y'a pas le gros? What the frag? Alors, je m'équipe ou pas? Oui. Ah, que dalle. Il est où le truc que j'ai ramassé? Il est déjà équipé? Bon, soit. Soit. Alors, il y en a qui font de l'asthme dans le coin, j'ai l'impression. Alors c'est rigolo, je passe du premier coup l'endroit sur lequel j'ai buté connement, hein, c'est ça le mot. Alors, j'espère que ça me fait contourner un max de trucs, parce que si je dois retomber sur un gros babu comme celui que j'ai vu tout à l'heure, alors c'est rigolo tout ce passage en passerelle, parce que du coup j'ai beau avoir la map, je sais plus du tout où je suis, bien entendu. Qui c'est qui fait de l'asthme? J'ai une petite bombe de ventoline si vous voulez les gars. Ça se pète ça, non? Allez. Que nenni. Qui c'est qui nous fait une petite crise d'asthme par là alors? Eh ben c'est toi. Mauricio, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appeler Mauricio. Mauricio, bouge pas, regarde. Enfin attends, je recharge. Hop, et voilà. Alors les dégâts sont localisés, hein, parce que plus je tire près de la tête, plus j'en fais. Plus je tire près du personnage, bah plus j'en fais aussi, c'est logique. Quelque chose là. Oh, que j'étais pas content. Quel joli U. Oh, il y a un bonus là. Non mais de toute façon, inexorablement, va falloir que je me tape le gros. C'est obligeux. One it is coinced. Si, il y a ça, regarde. Oh, chouette. Bon, on note pour plus tard. On n'est pas obligé de taper les gros. C'est une bonne info, ça. Autre note pour plus tard. Je crois bien que les gros, quand même, ont tendance à faire respawn la petite faune d'ennemis mineurs autour. Point de passage. Aux joies. Toute ressemblance avec un feu serait purement fait exprès, quoi. Où suis-je? Putain, je sais vraiment pas où je suis. C'est qui m'a foutu ce con? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas mieux là. Du calme, du calme.
Ça va me coûter cher en munitions, cette affaire. Oula, toi, t'as pas l'air commode. Oh, il a des répliques toutes pourries. Même Jack Burton arrive à sortir des trucs plus rigolos. C'est pas pour moi ça. C'est exactement ce que j'ai pas. Ok. N'appuie plus jamais sur Tab pendant un combat, jeune Padawan. Ah oui, c'est ce qui m'a tué tout à l'heure. La spatialisation du son est très bizarre. Ça, c'était un beau carnage. I see you, little canaillou. Ah! D'où tu sors, toi? Je me suis fait démonter. Bande de pouve. C'est quoi ça? Non, non, lui, on va pas. Pas de front, c'est pas possible. Il a comme il est énervé. Calmos. Oh, il a changé de bras. Oh, le flood. Avance. Oh, je me fais défoncer là. Et des fois, faut pas trop insister, hein. Je sais pas sur qui il tire, mais il a l'air trop content, quoi. Oh. T'es où, gros? Elle est pas loin, mon ami. Oh, pas. Là, calme-toi. Alors, j'ai du mal à comprendre, c'est le spawn à répétition des petits ennemis popcorn, là. Parce que, et d'une, ils méritent pas. Et de deux, c'est pas gentil, quoi. T'es en plein combat avec un gros qui est un petit peu retors, mal luné surtout. Et t'as plein de trucs qui pop sans avertir, quoi. Je suis dans un coin, c'est pas une super idée, c'est pas un super endroit, mais c'est pas grave. On va faire avec, y a pas trop le choix. Faut être vif, hein. C'est ça qui est bien dans ce jeu, du coup. Parce que Dark Souls, dans ma mémoire, c'était quand même très pâteau, les déplacements du perso. Hein. Alors, je fais des méga courses, c'est méga cool, mais je sens qu'il va y avoir un méga pas cool. Parce que le premier qui m'a buté, là, au début de la partie, c'était un grand tout mince, agile, rapide. Bref, comme on les aime, quoi. Et quand je vais le recroiser, je sens que ça va super pas me plaire.
J'entends des trucs qui cavalent. Oui, la spatialisation n'est pas top, hein. Parce que on n'arrive pas à identifier gauche-droite d'où ça vient réellement. Les sons sont jolis, mais la spatialisation est à yesh. Oh les floods. Coucher, qui t'a dit le monsieur? Oh, faut arrêter de m'en envoyer. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment il marche lui, mais ça va pas être terrible. Ok, donc lui c'est le professionnel des tirs à distance, on va dire, du coin. Ok. Attends. Non. Non. C'était un peu évident. Bande de pas sympa, va. Ouf. C'est fini. Ouais, non, bah, je sais pas, moi, si c'est fini. C'est pour moi, c'est fini, oui. Aïe, je vais chercher mes trucs là ou je passe là, je sais pas. Oh là là, non, on va chercher tes trucs. Je crois que j'entends un qui lance. Alors, au fil du jeu, je pense qu'on doit apprendre à les identifier en écho bruit. Nozdrovie, on y va. Qui c'est qui fait ces guerriérismes? Oh putain, c'est parti. Oh putain! Le nom du désespoir. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui sont des boulets comme moi, bah, le jeu se pratique également en multi jusqu'à 3 joueurs. Et c'est vachement bien, puisque quand vous crevez en multi, bah quelqu'un peut vous ranimer dans la team. Et ça c'est bien, surtout vu le niveau de difficulté du jeu. L'autre truc sympa, bah, c'est que vous avancez réellement ensemble, vous allez progresser au travers des tableaux. Parce que là je commence à tourner un petit peu en rond dans celui-là, non? Allez, c'est reparti. Non.
je vais être impitoyable sur ce niveau. Je vais défourailler comme un énervé. Je regarde le chrono. On va en rester là. On va en rester sur cet échec. Oui, je sais, c'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent. On va rester sur cet échec. Et puis, je vais essayer de réquisitionner mon complice Rookmoot pour qu'on vous fasse voir ce que ça donne à deux. Et là, on va arriver à avancer. Oui, c'est le côté Dark Soul du jeu. Ça veut dire que vous avez intérêt à bien mémoriser la façon de se déplacer et de tabasser de chaque ennemi. Faute de quoi, bah vous allez faire ce que je fais aujourd'hui, recommencer, jusqu'à ce que ça rentre. Non, ça sent pas bon. Vous voulez réellement voir ce que vous Remnant from the Ashes? Va falloir jouer, les amis, parce que si vous comptez sur moi, c'est très très mal barré. Mais bon, je pense qu'on y reviendra. On va se faire un petit multi probablement avec Sir Rookmoot. Et vous verrez qu'on ne se laisse pas faire aussi facilement. Sur ce, je vous laisse avec les deux playlists habituelles et bien entendu le bouton d'abonnement. Et je vous dis à tout bientôt dans l'émission. Ciao.